poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who's his caballero? The Emperor of the Far West, when he gains revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Dalton, vous avez une lettre. Une lettre? Pour nous? Qu'est-ce qu'il dit? Mes chéris. C'est pas une facture, c'est déjà ça. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un être merveilleux. Il se nomme Horace. Nous nous marions dans 3 jours. Je suis sûr que vous aimerez, comme il vous aime déjà, celui qui va devenir le nouveau chef de famille. Je vous embrasse tendrement. Votre maman. Signé Ma Dalton. Félicitations, les gars. On s'évade plus, Joe. T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe. C'est pas un mariage que je vais assister, mais à un enterrement. J'espère qu'il y aura des dragées au mariage. Des dragées? Ah, ça y en aura. Faites-moi confiance. Vous croyez qu'on aura un petit frère? Avril, la ferme! Cet Horace, je lui réserve un chien de ma chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Vous en avez mis du temps. Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, faut y aller. À la cérémonie? Je comprends pas. L'administration vous octroie 2 jours de congé pour le mariage de Ma. Bien entendu, je fais partie de la noce. Je vais commencer par descendre Lucky Luke, ensuite je règle son compte à Horace. Non, d'abord Horace et après Lucky Luke. Non, Lucky Luke en premier, puis Horace. Oh, ma Vénus, sans nul autre pareil. Encore 2 longues journées avant que ce corps de déesse, ses lèvres de vermeil et ses yeux bleus azur ne soient en moi pour toujours. Horace! Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus. C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'Ouest. Ah bon? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui se lève du firmament et qui nous dit... Maman, c'est nous! Avril, Jack, William, Joe, ils sont là! Je croyais qu'ils purgeaient une peine de 1473 ans de travaux forcés. Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman. Oh, les braves garçons! Voilà qui contrecarre sérieusement mes plans. Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement. Avril, mon tout petit. Bonjour, Ma. Bonjour, Ma. Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà? Vous inquiétez pas, Ma, c'est une permission officielle. Je les reprends dans 2 jours. D'ici là, ils n'ont pas mis la région à feu et à sang. Aucun risque. Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas? Oui, Ma. Mes chers enfants, quelle joie! Ma m'a tellement parlé de vous. Vous pouvez m'appeler papa. Papa! Je vais te tricoter, je vais te réduire en bouillie, je vais te... Joe, laisse ton frère tranquille. Vous êtes de la famille? En quelque sorte, Lucky Luke. Lucky Luke. Enchanté. Horace Lafayette Jackson. Je suis le fiancé de Ma Dalton. Vous devez être affamé, rentrez.
qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, Ma? C'est Horace qui l'a bêché. Un jardin a besoin d'être aéré de temps en temps. Le jardinage, c'est mon hobby, William. Non, moi c'est Avril. Du calme, Joe. Patience, Joe. Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe. Eh oui, la première fois que j'ai vu votre maman, ce fut le coup de foudre. Son charme, sa voix, son allure. Tout chez elle m'a conquis. Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune. Je peux encore avoir des crêpes à la mélasse, Ma? Bien sûr, mon chéri. J'ai assez fait connaissance. Voyons, Jack, calme-toi. Moi, c'est Joe! Rassurez-vous, Horace. Joe a toujours tiré comme un sagouin. Avril, je sens un léger malentendu entre nous. Joe! Mais il y a de l'ambiance ici. C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace. Ah, il tient bien de son père, celui-là emporté, mais le cœur sur la main. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre ! Je suis tombé sur un tigre ! Joe ! C'est l'heure du bain ! Oh non, Ma ! J'en ai pris un l'année dernière ! Et viande d'Achillis, que courant de dot ! Ce n'est pas un métier ! Où en est Lucky Luke? Il dort! T'en es sûr? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui. Parfait! Bon, tu vas aller au village dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits. Et qu'est-ce qu'il y a? Ma! C'est terrible! Ta voix! Ton visage! T'as de la moustache! Soir, Avril. Soir, Luc. Joe est toujours un peu nerveux, à ce que je vois. C'est pas Joe, c'est Ma. C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi. C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi. Sacré Ma! Elle a gardé tous nos vieux jouets! Joe, Ma a l'air d'y tenir à son fiancé. C'est vrai ça, Joe, tu vas lui faire de la peine. Elle en saura rien. Ça aura l'air d'un accident. Rentre en plan, où étais-tu passé? Le prévenir. Il faut. Il y a un tigre. Ici. Qui... Attends, j'ai... Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose. Bouge pas, papa, hein? Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que cette vieille bique me veut à une heure pareille? Peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son magot. La voilà. Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite. Oh, astre de ma vie. Quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat. Horace, grand fou. Laissez-moi deviner, ma douce. Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'Horace quelque chose que vous lui cachiez. Un flingue. Oui, je ferai mon flingue. Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous. Venez dans mes bras, mon aimé. Alors, j'aurais pas dû mettre autant de jupons. Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là, lui qui adore le théâtre. Oh, la petite coquine. On est d'humeur taquine, hein? Venez, coquine. Mon flingue. Vite, mon flingue. Voleurs, mon amour. Je ne suis pas celle que vous croyez. Avril, voyons. Pas Avril, Joe. Jolie aurait adoré. Mais qui
fait tout ce bruit à une heure pareille? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabo de ton côté. Hé hey oh. Bon, assérie. Un peu d'action maintenant. Je ne te savais pas adepte des bains de minuit, Joe. Faute de grive, on plombe des merles. Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Excuse-moi deux minutes, vieux. Vieux? Je suis plus jeune que lui. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Là-dessous, quoi? De quoi il parle, les gars? Oh, désolé, Lucas, mais je sais pas de quoi tu parles. Je veux parler de ça, Joe. Je vais le descendre! Je vais le descendre! Joe, si tu descends, Horace, on va tous se recevoir une raclée. Déjà qu'hier soir, à mon accolé une... Je parlais de Lucky Luke. Autant pour moi. Là, ça va un peu trop vite pour moi. Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe. La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper. Suivons-les. Hé hey, me laissez pas seul avec le tigre. Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval. Ne le décevons pas, je vais rester près de lui. Bonjour, Ma. Alors, c'est le grand... Les Dalton! Tiens, ce vieux Foster, ça fait une peine qu'on lui a pas rendu visite. Ça fait du bien de revenir chez nous, hein, Joe? Rentrons ici. Armand, vous êtes là? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole. Oh, Jolly, arrêtons là. Hé, hey, Seigneur Cowboy, tu es au courant? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville. Ouais, ça se pourrait. Luigi Paparazzi, photographe, baptême, mariage, pendaison. Lucky Luke, cowboy. Jolly Jumper, cheval à tout faire. Lucky Luke? Les Lucky Luke? Je peux vous photographier? Dites! Juste le temps de trouver mon appareil. Vous les vendez vos photos? Choisissez celle qui vous plaît, je vous l'offre. Mais vous pouvez prendre la pose, comme si vous arrêtiez les Dalton. Ouais, ça peut se faire. J'ai l'impression d'être déguisé en banquier. Dommage qu'il avait plus du tissu jaune à rayures. Je m'étais habitué. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là. Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants? Ce sont des Dalton, fils et petits-fils de Dalton. Et chez les Dalton, on a toujours été inquiétants. Tu sais défendre tes enfants. Plus inquiétant que nous, y a pas, mon mot. Mais Horace, que signifie... Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... Que dis-je? Nos fils au pénitencier. La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur. J'ai donc préféré les tourbir. Horace, quelle belle âme! Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement. Enfermons-le dans la grange le temps de la cérémonie. Vous vous évaderez après. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Vous pourriez la refaire? Je n'étais pas prêt. On se connaît. Vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau-papa des Dalton. Si vous le dites...
Allez, Joe! Un effort, Joe! Tu peux le faire, Joe! Je peux pas, j'y arrive pas! Vous verrez, je veillerai sur Ma pendant que vous irez attaquer des banques, piller des diligences, voler des trains. Bon, d'accord, Horace. Tu as prouvé que tu étais de notre côté. J'accepte! Je te donne la main de ma mère! Vous ne le regretterez pas. Tout le monde est prêt? Oh, Ma, on dirait une nymphe. Que dis-je? Aphrodite, sortie du bain. Vil flatteur. Bon, on y va. Ne faisons pas attendre le pasteur. Wop, bon sang! Allez-y, je vous rejoins. J'ai un petit travail à finir. Dis-moi, Joe. Moi, c'est Avrel, papa. Alors dis-moi, Avrel. Vous avez bien un petit magot caché quelque part? Un magot? Non. Le grand Lucky Luke transformé en saucisson. Oh, je vais m'en payer une bonne tranche. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Regarde ce que m'a offert beau papa. Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne, Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille. Exactement, il entre et toi tu sors. Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour Ma. Dommage qu'il soit déjà marié. Comment ça? Déjà marié? Un cirque, ça explique la présence du tigre. J'ai la preuve de ce que j'avance. Montre-la-moi ou je te descends. Non, descends-moi et je te la montre. Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré, tu pourras toujours me descendre. T'essaies de m'embrouiller. Voyons, Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien. Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non? J'ai raté! J'ai raté! Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde quand je pense à tous les faire-part que j'ai distribués. T'inquiète pas, Ma. Jack s'en occupe. Un petit pactole, enterré quelque part? Un pactole? Non plus, papa. Ah! J'espère que Joe ne sera pas trop en retard. Je vais en faire de la crépinette. Horace est malin. Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi. Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer. T'as une idée, je suppose? Ça se pourrait. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre. J'en connais un qui va se recevoir une de ses déculottées. Bon, on commence. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Moi, j'ai quelque chose à dire. Ah, Joe, enfin! Cette crapule est déjà mariée. Quelle est donc cette affabulation? J'ai une preuve! Une photo de son précédent mariage. C'est un coup monté! Ma, votre fils s'est toujours opposé à notre amour. X. Et j'ai ramené sa femme. Personne ne bouge ou je bute la vieille bique! Cher Horace, toujours aussi poète. Ah, je suis une vieille bique. Mais, mon trésor!
Hey, ne bougez pas, ça va être flou. C'est pas ce que je visais. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre. Ils ont laissé s'échapper le tigre. Ça vous va bien? Fin du sursis, Lucky Luke. Fais tes prières. C'est moi qui l'aide, la nanère. Personne ne bouge. Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier. Un moment, Luc. Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant. Alors comme ça, t'as été marié 14 fois? 14 fois, en effet. Et chaque fois, t'es parti avec leurs économies? Chaque fois. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire. Votre magot, où est-ce qu'il était planqué? Notre magot? Quel magot? Allons, allons, les plus grands bandits de l'Ouest ont forcément un magot. Toutes ces banques que vous avez dévalisées. Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé. Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant. Monsieur le directeur, le nouveau se tape sur la tête avec sa masse au lieu de taper sur les cailloux. I'm a bold lonesome cowboy. Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West, when he begins, revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. T'as pas peur de personne. Les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Je mangerai bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocolis. Hein? Hey! Hey, les gars, je suis devin. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné. Du canjo. Jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Oh.
Bravo à ces charmantes danseuses, à la cuisse velue mais légère. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton. Bravo! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro. Une surprise, qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Ouais Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Luke-Luke ! Encore Luke-Luke ! Toujours Luke-Luke ! Du calme, Joe ! Luke-Luke ! Je veux lui faire la peau, moi, cet empêcheur de s'évader en banc ! Ta-da ! Je suis le grand mage Averell Ishnou, Dalton Ipu. Petit homme colérique, laisse-toi guider par Averell Ishnou. Yappé, lâche-moi, imbécile. J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Et maintenant, le grand mage Averell Ishnou Dalton Ipu va, sous vos yeux, ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Averell, c'est déjà fait. Oh, 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 oh. Menottes, ouvrez-vous. Oh, sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi! Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant! Mais bougez-vous, bon sang! Allez me chercher la clé! La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là! La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez, attendez... Ah! Oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck. Ah non, non, Longneck, c'est ça, Longneck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles. Ah, ah, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Longneck et qu'Averell les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? Yeah oh. J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution, le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce long nec. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflardes. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première caste descend. Les Indiens! Tous à l'abri!
dit, c'est une pantalonnade. Tout se ligue contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessin qui lui ouvrira à grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars. En l'absence de Joe, Kid nous deux l'étrangle. Suzanne, ouvre-toi. Abri, abracadabro. Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non? J'ai réussi. Hé, hey, les Dalton, comme vous avez un lit libre, je me suis dit qu'on pouvait... Marché, je suis fakir. On n'aura pas de mal à les retrouver, y a qu'à suivre les traces. Alors Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe. C'est lui. Oh, Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Oh. Mais voyons, Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain Longneck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, il est passé, monsieur, il y a 2 jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe! Chut! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. Joe! On va passer la nuit ici, et demain, on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ah, ça, c'est quoi? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture! Ah!
Joe. Bien dormi? Je t'aurai, Luke. Halt! Qui voilà? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke. J'en reviens pas. Vous me connaissez? Vous êtes mon idole. Je ne manque pas une seule de vos aventures. Etc. Taré. Attendez, attendez, bougez pas. Vous allez me signer un autographe. Je m'appelle Hank. Hank Hornet. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck, allez donc voir à Robert Gulch. C'est un point de passage obligé, on y passe et on y trépasse. Merci, Hank. Allez, Joe, en route. Bonne chance. Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. Oh, c'est moi, Joe Dalton. Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest. Et je suis avec mon complice, on s'est évadé. À quoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre. Et s'ils te pendent, tu seras mort. Et moi, eh ben, j'irai danser sur ta tombe. Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien. Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu. Ne tirez pas, shérif. Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça. Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe? J'y arriverai. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant. Tu veux une cuisse? Ah, je vais l'étrangler! Vous sentez, les gars? Quoi? Les patates au lard! Par ici! Cherche, Avril, cherche! Calme, Avril, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurai tué, je le tuerai aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise. Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, on selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rantanplan. Hé, hey, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke, vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke,
Personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland, je mettrai à genoux tous les Esquimaux, et après, je prendrai en tenaille le Canada, et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Tu es fait, Luc. Oh! J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck. Bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle? Longneck, je présume? Ah! Mon nom est Lucky Luke, et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fous! Ah non, ça n'a aucun avenir, ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé, c'est le général qui les a. Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Je vais y arriver! Oh, je vais y arriver! Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule! Mon char! Où est mon char? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage ait un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, il fond. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver. J'y étais presque. J'étais presque. Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Avril. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy,
Poor and Lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Retourner. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Désolée, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, beau brin. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grani. Vous en avez entendu parler? Non, désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Silverton, on est arrivé. Je peux vous aider, ma'am? Non, moi, madame. Moi. Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te laver ma main dégueulasse sur ta figure. Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, ma'am. Non, moi. Non, moi. Moi. Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, avec supplément, hein? Sans punaise et avec baignoire. Il pourrait y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. Les cieux est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête? Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde! Allez à la queue! C'est bon, t'es propre, à mon tour! Toby, tu te retiens ou je te plombe? Thank you.
sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancée, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. T'veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qu'ils attendaient. Oh. Oh. Je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. Ce soir, Robert. Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, l'eau. Ça me tente pas, Swear. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Et voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick O'Halloran. Elle vaut son pesant d'or. Bordel! Je crois que j'ai le coup de foudre! Pour une belle fête, c'était une belle fête! Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi! Et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds! Non, moi, j'en ai plus que lui! J'ai des pépites grosses comme ça! Elles sont pour vous! C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi! Je mets ma parcelle à votre nom! Mon or et la montre en argent de papa! Moi j'ai rien, mais je vais en trouver plein! Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors? Je me suis bien fiancée 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous! De quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis. Hé, Miss Bellingham, hé, Miss Yelverton. Eh bien, je plains les frères O'Grany. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivi. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron à l'Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures. Impossible de passer? Dire que la Californie et la ferme des O'Grany ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel.
Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, là-bas, mais... Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés, là-bas, mais... Et pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant, Alabama! On peut trailler le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Avec ces quatre bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne, parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos deux Irlandaises. Et les mules, alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. Sans navet, lynx libidineux. Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je les trie de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Allons, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mise à prix, un sac de pépites. Deux sacs de pépites? Deux sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. Deux sacs de pépites? Plus mes dents le nord. Trois sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. Cinq. Six. Balle en plomb de ce colt. Attention, il est fou. Le beau gosse. Adjugé. Y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux! On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein. Vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit! Il nous a sauvés trois fois! Et on a besoin de lui pour nous aider à troyer le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons, je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudrait au moins deux hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Pas mieux dire. Qu'est-ce qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire.
maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. De là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, au lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouchée. Tu as fait quelques amis à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Oh, grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. La 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 la. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Vois pas qu'ils font tout à l'envers. Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de Marc restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, l'ombric indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers, leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison! Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Hé, hey, vous n'allez pas nous laisser ici! On a eu quelques différends, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly! Thomas O'Grani, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir.
On est si affreuse que ça? On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Et on ose parler de ce que c'est fait. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos... Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? Au moins, avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Non, je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus! Comme au pays, Molly! Comme au pays, Connie! C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le six-coups périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. Pussier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this caballero? The emperor of the far west, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Mais quelle merveille ce nouveau système de sécurité! Fabriqué par la Look and Lock à Brain Valley, les mêmes qui ont conçu le système de Fornox, la banque des banques. Un colis de Mad Alton pour ses poussins. Mon gâteau préféré! La fève est pour moi. De toute façon, ce n'est pas avec ces outils préhistoriques que tu vas forcer le système le plus moderne du monde. Mais où est Avril? Entre immédiatement! Juste un dernier coup! J'ai pas fini mon caillou! C'est joli! Ça brille dans le noir! Un jour, je détruirai ce pénitencier pierre par pierre! Un rapide calcul permet d'évaluer à environ 112 368 le nombre de pierres de ce pénitencier. Il te faut en moyenne 12h23 pour en casser une. Tu auras donc besoin de 92 766 jours. En travaillant 15 heures par jour. Ça va, Avril? Suivez-moi.
Comment ce crétin peut-il espérer forcer un système En silence. La foudre, elle l'a rendu intelligent. Ne mélangeons pas. Moi, je suis intelligent. Lui, il est... bizarre. Tout système nous donne 1000 indices de sa structure interne. Le reste est affaire de raisonnement. Ouais, bon, bah, en réfléchissant, hein, j'aurais pu le faire. Voyons, Joe. Tu sais bien que tu es plus impulsif que réfléchi. Peut-être, mais le chef, c'est qui? C'est moi. Pour notre intérêt à tous. Un système inviolable, vous dites? Le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas été forcé. Quelqu'un connaissant le système a pu les aider. Une nouvelle race de friandises géantes. Un employé de la Look and Lock? C'est impossible. La seule piste, c'est Bren Valley. J'ai dit j'y vais. J'ai compris. J'y vais. On fait quoi maintenant? Comme d'habitude, on s'arme au bled voisin et puis on terrorise des valises en légumes! Non, non, non! Fini de grappiller des petites banques. On va viser grand. Très grand. Fort Knox. Fort Knox? Mais avec quelle arme? Le cerveau. Son cerveau? Non, le mien. C'est dur de boire dans un abreuvoir. Ce chien aurait peut-être l'idée de passer par en dessous s'il avait un cerveau. Pas de nouvelles des Dalton. Ça cache quelque chose. Rends ton plan. Tu me rappelles pourquoi on met des habits différents, Avril? Ça brouille les pistes vu qu'on recherche quatre types semblables, dont un abo furieux. Tu parles de qui, là? Dans les bureaux de la Look and Lock, il y a les plans de Fort Knox. On vole les plans et à nous les lingots. Des montagnes de lingots. Génial. Zéro violence, 100% matière grise. Ce type est la honte de la famille. Lucky Luke, Lucky Luke est là. Et on n'a pas d'armes, on aurait dû en voler. Non, voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. Eh, ça va, vous? Et toi qui es si malin, pourquoi qu'il est là, Luke, si on n'a pas laissé de traces? Sa seule piste, c'est la Look and Lock. J'ai pas compris. Ça me donne une idée. Je vais utiliser Luke et m'amuser un peu. Gardez le petit, qu'il fasse pas de bêtises. Notre personnel est irréprochable. Et forcer la Look and Lock, je ris. Venez plutôt visiter. Votre célèbre colte doit rester ici, monsieur Luke. Surtout, tu me le surveilles. Une petite sieste? En voilà une bonne idée. Bonjour, je suis l'assistant de monsieur Luke. Tiens, un Dalton. Oui, le chien de monsieur Luke vous connaît bien. Le colt le plus rapide de l'Ouest. Je vais en profiter pour le nettoyer. Pour dégainer vite son truc, c'est l'huile. Mais... chut, c'est un secret. Je n'ai rien vu. Il fabrique des bonbons au sucre. J'y vais. Ne lui dites pas que je suis venu. S'il apprenait que je vous ai révélé le secret... Je ne sais rien.
Ah, vous me faites penser à quelqu'un. Oui, on m'a toujours dit que je ressemblais à Billy the Kid. Elle est bien bonne. Si je comprends bien, c'est l'autre qui est en prison maintenant. Vous voyez, le responsable de l'évasion des Dalton ne peut venir d'ici. Et pourtant, quelqu'un connaît vos systèmes. Oh, vous permettez. Du sucre. Télégraphe pour monsieur Luc. Les Dalton, stop, ont attaqué, stop, une banque à Cactus Junction, stop. Pour une fois, ça me ferait presque plaisir. Ah, ben, vous revoilà. Mon patron a perdu un de ses éperons durant la visite. Un jeu d'enfant. Il était là. Comment ça, les Dalton n'ont pas attaqué votre banque? Enfin, pas récemment, non, mais ils se sont évadés. On les a évadés, et ce on est en train de mener en bateau. Si vous voyez les Dalton, dites-leur de penser à moi. C'est vrai, une banque qui ne mérite pas d'être attaquée, c'est préoccupant. La bonne blague. Luc ne doit plus rien comprendre. Si t'es aussi génial, trouve un moyen pour qu'on s'en débarrasse définitivement. Ça viendra, petit, ça viendra. J'ai enduit son colt d'huile. Plus une autre surprise. À nous, Fort Knox. À nous, les montagnes de lingots. J'ai faim. On a voulu m'éloigner, mais de quoi? C'est plus facile avec des Dalton bêtes qu'avec des Dalton intelligents, hein, cowboy? On rebrousse chemin. Qu'est-ce que tu as, toi, à renifler mon colt? Du sucre. Alors, c'est qui le chef? C'est toi, Joe. Exact. Regardez-le, votre génie. 2 et 2. Je sais pas, Joe. 2 et 2. 3. Mauvais. 1. Non. Nul. 4. Non plus. Alors maintenant, avec mon intelligence, on ravage en écume, on pille. Mais il a tous les plans de Fort Knox, là. Une montagne de lingots, Joe. Il faut le recharger. Juste le temps d'attaquer Fort Knox. Il nous faut un orage. Les Dalton se sont enfin manifestés. Ce coup-ci pour de bon. Une visite de politesse dans une banque, je suppose. Ils ont enlevé un sorcier indien. Le mystère s'épaissit. Hein? Oh. Du sucre. Tu vas nous provoquer un bel orage, hein? Avec de la foudre! Grenouille heureuse fait la danse de la pluie quand ça lui chante. Il pleut ou c'est les bofs qui vont pleuvoir? Grenouille heureuse cède à la menace. Mais pour danser, il lui faut du rythme. Ils ont surgi, ils ont kidnappé le sorcier, ils sont partis et c'est tout. C'est tout? On voit bien que c'est pas le sorcier du visage pâle qui a été enlevé. Grenouille heureuse n'est pas un simple sorcier généraliste. C'est un spécialiste qui commande aux nuages. Un faiseur de pluie?
pluie, averse, orage, ouragan sur commande avec supplément tonnerre. Et réduction pour temps pourri à partir d'une semaine. Nous voilà bien avancés. Que les visages pâles nous rendent grenouilles heureux, sinon ça le tend en perspective. Que Bison affûté ne monte pas sur ses grands chevaux. Je lui ramènerai son sorcier. Alors, ça vient ? Vous jouez faux ! Avec ça, je peux tout juste faire la danse des tomates pourries. Oh ! Dis plutôt que t'es un escroc, oui. Grenouille heureuse se souvient comment transformer visage pâle en asticot. Venez, on va trouver autre chose. Le chien a levé un dindon, il tombe en arrêt. Non, rentemplant, ce n'est pas un oiseau, c'est un indien. Un dindon géant ? Les Dalton vous ont relâché. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Des éclairs. Gratuit. Des éclairs? Mais pourquoi faire? Les éclairs sont le plus souvent commandés pour allumer le barbecue. Et ils les ont eus, leurs éclairs? Non, car comme dit le proverbe, si tu n'as pas le rythme, tu ne peux pas allumer le feu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de l'électricité. De l'électricité. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs! De la crème au chocolat ou au café? Je me demande si je le préfère pas intelligent. Des fois, quand on se cogne, ça fait bzzz, et il y a un éclair. Il faut trouver autre chose. Les Dalton! Les Dalton! Ils vous ont dévalisé? Ben non, ils m'ont demandé si j'avais de l'électricité, de l'électrique. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. C'est donc d'électricité qu'il s'agit. La loutre du visage pâle, elle, elle a le rythme. C'est bizarre, j'entends comme un battement. Avec ce rythme, faire donner la foudre est un jeu d'enfant. Je dois filer. J'ai besoin d'une collation. Mais ça, j'ai jamais vu un chien aussi molle. Ça paraît dingue, mais je crois que l'électricité agit bizarrement sur certains cerveaux. Contemplant, est-ce que... Ça va, j'ai compris. Il faut retrouver les Dalton. Suivez-moi. Si au moins cet idiot n'était pas idiot, il pourrait nous dire comment le rendre intelligent. C'est idiot ce que je dis. Mais tu crois pas qu'à Brain Valley, il y aura un inventeur de machines à éclair? Tu t'es cogné, William? Allez-y! Alors, je vais redevenir intelligent? Bon. Tu sais, il n'y a pas que des avantages. Je suis le chef, j'essaie d'abord sur moi! Génial pour forcer Fort Knox. Amène-toi, Vrel. Oh! Il a peut-être une grosse tête, mais c'est le nez qui travaille. Vois-tu, équidé, flairer n'est pas renifler. Flairer, c'est interpréter, c'est déduire. C'est... Mais tu peux pas comprendre. Je crois que je le préférais avant. Si mon explication tient, Avrel serait à la tête des Dalton. Je me demande comment Joe réagit. Ta-ra-ta-ta ! Tu peux bouder,
Mais je t'ai pris avec moi à condition que tu fasses exactement ce que je te dirai. Je veux de l'or. Tu en auras si tu tiens bien. Ils ne sont plus là. Pardon ? Ne tirez pas. Ils ont volé un chariot, ma machine à électricité, et ils sont partis par là. Il y a des traces. L'intelligence qui différencie le canin supérieur de l'équidé vulgaire. Gna gna gna. À Fornox, triple galop. Fornox, la plus grande tirelire du monde. Tu arriveras à rentrer? Et les gardes? Non, pas la tête! Code 40-18-72-00, Rassemblement général des gardes, salle 22. Avec des armes, on aurait pu tous les descendre. Non! Si, on aurait pu! Oh! Allez, rentre au plan, le temps presse. Le triple galop, supériorité du destrier sur le rase-motte. L'or est à nous! Gamin, va! Oh non! Pas maintenant! Pompée! Je comprends pourquoi Avrel a tenu à ce qu'on emporte la machine. Ah tiens, intéressant. On y va. Je me sens bizarre. J'ai éternué. T'occupe! Ouvre! Je suis au paradis! Ah! Non! Pas déjà! Comment t'avais prévu d'amener cette montagne d'or au chariot? Hein? Comment? C'est joli ici! Ça brille! Pompée! Ça m'a l'air de tourner à l'orage. Ça marche plus! Ça marche plus! Mais qu'est-ce qui marche plus, Joe? Tant pis, à la main! On a tout l'air de travailler à l'ancienne. Ça sert à quoi d'avoir un gros cerveau si les jambes ne suivent pas? Mais plus vite! C'est lourd! Allez, les Dalton, la fête est finie. D'armes, Joe. Parce que voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. C'est idiot. Avril est un génie. Oh, enfin, enfin ce moment tant attendu. Hey, j'en pleure presque. Avril avait parlé d'une surprise. Du caramel! Quelle bonne idée! Alors, c'est qui le seul génie de la famille? C'est toi, Joe! Tu ne peux pas refuser le défi, cheval. Des chocolats? Elle a échappé belle, hein? Oh, je m'en serais sorti. Le chocolat blanc, c'est bon aussi. I'm a bold lonesome cowboy.
sorcière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West, when he dégaine revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela, là-bas. Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile. Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail! Vous êtes dans un pénitencier tout de même. Hé, hey, toi, casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Ah, bon, monsieur Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Laissez-moi casser. Monsieur Billy, pouvez me dédicacer le galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Hé, hey, toi, mon, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez, qu'il en sortirait encore du caramel, faire ma loi dans mon pénitencier. Je vais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères, le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest, du Nord au Sud. C'est moi, Morpion. J'ai semé la terreur dans tous les états à l'Ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. Moi, c'est moi. C'est moi. Tiens, moi. Casse-lui la figure, Joe. Une raclée. Oh, de faillot sur Billy. Ma remise de facture, Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Oh. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Hé, hey, les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. Ce has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Avril, la ferme. Je l'aurai. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil.
Je vais lui montrer moi qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke. Lucky Luke. Et bien sûr, pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête. Morveux. C'est à moi que tu causes, Razmot. Je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke. Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un Nabo. Nabo. La réserve de cailloux sur Billy. Mes chaussettes t'enlèvent sur Joe. Mais non, non, sur Billy. La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy Jackid. Martre de capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est quatre à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun, comme d'habitude. Allez, plus vite. Attention, les gardes. Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous. Bonne chance, monsieur Billy. Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, Avril? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence. Les Dalton et Billy the Kid. On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée. Billy the Kid. Bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Pétoche-Gueule. 5 minutes d'intervalle. Oh, mon cœur. Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien. Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Lucky Luke. Et bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid. Absolument catégorique. Ils ont fait un pari. Un pari? Ouais. Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui... celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luke. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherche pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, old boy. On a encore les quatre plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers. Les Dalton, ils vont nous voler notre pépite. Non, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Non. Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non. Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non, je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé. Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke. Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai. Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Y a que les Avrels qui changent pas d'avis.
Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le pari? Et Lucky Luke? Je suis là. Coucou. Rel, ne touche pas à ton colt. Aïe! Aïe! Tu devrais être content, Joe! Tu l'as enfin trouvé! Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke! J'ai mon colt pointé sur ton omoplate gauche! Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouvez une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens. Sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non! Moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix! T'as peur de perdre! J'en ai te tape par les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super! J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu! J'ai rien entendu! Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luke? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite, aidez-moi! Ce tonneau est vide! Vous faites erreur! Dernier espoir, le salon. Ah, je le vois qui court! Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe! Il nous a doublés, j'en étais sûr! En avant! Mais Joe, c'est de la triche! Faut attendre le signal! Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Pétoche Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke, tu m'auras pu avec ton baratin. Je te descends d'abord et ensuite, je t'écoute. Reviens ici, tricheur. J'ai bien regardé partout. On n'a effrayé personne pour le moment. Lucky Luke, où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ça sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de Fossa. J'aurai ta peau, Lucky Luke! Non, moi j'aurai ta peau avant lui! Et puis j'aurai la tienne, sale mioche! Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus! I'm a poor lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le nouveau mec
galaxie qui se passionne pour le Paris du siècle. 50 en bénéjacquine. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et un fichu au crochet sur Billy the Kid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra le kill? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les garder dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle! Les paris! Il a des cartes de portion! C'est quand la soupe? Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici! Ça peut pas finir comme ça! On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest! Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais! Vous auriez pu faire un effort! C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous! Et... C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous! C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé le somnifère? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Et à voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lâcher! Mais que fait Lucky Luke? Allez les Dalton! Allez les Dalton, les Billy, les Dalton, les Billy, les Dalton, les Billy, les Billy, les Dalton, les Billy. Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Hein? J'offre un mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ya ya. Ouais, ils nous ont dit de piller. Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer. De voler. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent! Ils viennent attaquer la ville! Désolé, Billy. On a parié sur vous! Les mains en l'air! Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sioux avons parié sur petit Dalton Teigneux. Ouais! Merci, grand chef! Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luc, Monsieur Luc, vite, il faut faire quelque chose.
Monsieur Luc, il faut vous lever. Sauvez-nous. C'est vous le justicier. Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut nous comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y'en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison. Y'a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville. Moi, j'en vois deux. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy. Ma bannière étoilée sur les Dalton. Une couverture typique sur Luc et Luc. Je m'occupe de Luc, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luc et nous de Billy. Non, moi je dégaine plus, ça me fait mal aux pieds. Tu te dégonfles encore, Nabo. T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot. Ok, tirez sur Luc, moi je m'occupe du sale marmot. Attends, Rojo, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas, on tire dans le tas. Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. La ferme. Attrapez-le, il est là. En marche. Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulet. La ferme. Merci, Luc et Luc, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus? I'm a bold, lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam
m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques, croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des quatre énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Oui, pourquoi? Ah, ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Un sabre! Bien parlé, mon gars! C'est chouette, Joe! L'administration nous paye des vacances à la ferme! Ah ouais? La ferme? Hé, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars! Ah, Lucky Luke, soyez le bienvenu! Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous un carreau! Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine! Hank, donne-leur des tenues plus adéquates! À vos ordres, patron! Par ici, vous quatre! Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine! Allez, en boulant! Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luke. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Yeah! Yeah! Yippie! Votre fils? Non. Ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça! Ben, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas! J'ai trois taureaux à marquer! Yeah! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Faites pas de bile, Luc. On les tient à l'œil. Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends les Luke et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, c'est Cynthia. Moi, c'est Avrel. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, hey, Avrel, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Soir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim! Marquez les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hé, hey, mon café. Bonjour, papa. J'aime
mieux pour toi, beau brun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avrel. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit Avrel. Oh, oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs en flanc. Petit, petit, petit. Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père planque l'oseille, et c'est Avrel qui va lui faire cracher le morceau. Alors, c'est une bonne journée ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Imbécile! À toi, mon bébel. Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon Vével. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris, car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des T-bone steaks. C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert. Vous n'avez pas vu Avrel? Je le cherche depuis une heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avrel! Avrel! Chut! À la soupe! À la bonne sous-soupe! Ah! Tu vas être gentil avec la demoiselle! Oui, Joe, aïe! Tu vas faire tout ce qu'elle dit? Oui, Joe, aïe! Même l'embrasser! Si elle te demande! Oh non, Joe, aïe! Mon Vével! C'est tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors le nabo? On se croit en pique-nique? Qui est un nabo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Je vais te faire. Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. Goop. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle-moi de boulot, Joe. Bande de lamettes! Vous êtes encore plus inutile qu'Avrel! Garde! Faut que j'y aille! Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein! Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Joe, j'en peux plus, Joe. Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave. Lâche-moi, imbécile. Elle me brosse les dents, elle prend ma température, elle me fait peur. Aïe, je sais pas ce qu'elle me veut. Je vais retourner avec vous. Écoute bien ce que je vais te dire, crétin. Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia.
Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour! Et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon rebelle! Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe! Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vevel. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mon essence. Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Grâce! Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père? Mais pas si vite, Joe! Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante! Il parle à la plante! À la plante! Il parle à la plante! Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, Alors, Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Allez, Joe, va te reposer. Demain, tu as une dure journée. Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie! Me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Y'en a marre du pot de colle! Ménère va toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais, c'est moi, Avrel Dalton. Je suis rentré. Oh, diable, Avrel. On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, y a pas de justice. C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Vevel, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vevel. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Mais je suis pas votre Vevel. Elle m'aime plus! Elle veut plus me voir! C'est chouette! Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson de Mago! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti! Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne! Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? S'il te plaît. C'est chouette, hein? Alors? On s'est trompé. Des frères jumeaux. Sacré Joe, t'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde, il faut que j'y aille. Tu m'auras pas deux fois, Coyote. Mais c'est pas moi, c'est Avrel. Mais Cynthia, elle veut me voir. Oh, d'accord. Silence, Avrel!
Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton. Avril, il y a un rotemplant qui m'embête. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avril, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! Cynthia! C'est toi, Avril? Oui, c'est moi. Je viens m'excuser. Je t'aime. Yippie! Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vevel. Loin de tes frères. Surtout du petit Aigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors, Avril, tu lâches le petit bras sur ce coup-là. Allez, où les mains? Les quatre mains. Largons les amarres, mon Vevel. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre peau de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avril. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche et je crois qu'elle n'est pas contente. Avril, sale cloporte puant, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. Mais riche, tout riche. Ouais, n'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je avais bien dit de ne pas avoir d'idée, Joe. N'échapperont pas. Avril, je t'arracherai le cœur! La faiseuse de bisous! Dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? De vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. La vraie pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées.
À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton ? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy. Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ça, tas de feignants. Disparaissez de ma vue. Abandonner les fouilles du siècle si près du but, bande de lâches. On ne coupe pas les crédits à la science. Je me plaindrai au président des États-Unis. Mais il radote, n'a besoin de personne. Je découvrirai la momie du roi Astico Sec, tout seul. On verra leur tête quand je recevrai la Golden Cross. Hein? Mais... funéraire. Le tombeau d'Astico Sec, enfin. Astico Sec, le grand roi Astico Sec. Je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes. Non, mieux, la Golden Cross. On dirait que le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp a trouvé quelque chose. Prévenons Plume de Cheval, notre chef. Chouette, un pied tendre. Je m'occupe des plumes. Monsieur, ces coutumes locales font perdre un temps fou. Professeur Ilradot, archéologue de renommée internationale, je viens d'exhumer un trésor inestimable. Lucky Luke, cowboy solitaire, je viens de faire une sieste de 2 heures sur ce rocking chair. Ravi. Maintenant, excusez-moi, mais je dois me trouver demain à Santa Fe pour prendre le train de Washington. Santa Fe, la route n'est pas facile. Elle longe le territoire des Grands Nez. Les Grands Nez ? Aucune inquiétude. Je transporte le corps momifié de leur grand ancêtre. Justement, je ne crois pas qu'il soit enchanté à l'idée de le voir prendre le train, à son âge. Voyons, je ne vois pas pourquoi. Un tel trésor archéologique appartient au patrimoine mondial. De plus, ça fait 2 ans que je creuse la montagne à la recherche des vestiges de la civilisation pastèque. Et les Grands Nez ne m'ont jamais importuné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce drôle de cercueil ? Un cadavre. Enfin, une momie. Une momie ? C'est quoi une momie ? Eh, hey, on veut voir ? Ouais, montrez la momie. Ouais, la momie ! 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 Entendu. Puisque vous insistez, je vais étancher votre soif de culture.
Le dernier grand roi pastèque, Asticosec, vivait il y a 8 siècles. Certains voient dans les pastèques les ancêtres des tribus du Nouveau Mexique. Blabla, la momie. Ouais. Oh, tiens, ils ont installé une baraque à frites. Mesdames et messieurs, voici la momie d'Asticosec. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Tiens. Le talisman. Quoi, c'est ça une momie? Un vieil épouvantail couvert de bandelettes. Oh là là, ces gens de l'Est. Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas ma momie, le chien. Non, j'ai pas encore eu le temps de tout analyser. Si j'ai mes poussières d'ancêtre. Qu'est-ce que tu lui veux à mon copain, toi? Rocky Blitz, croque-mort de père en fils. Mourez, nous ferons le reste, c'est notre devise. Permettez-moi de vous féliciter pour votre découverte. Ouh, superbe défunt, dans un état de conservation exceptionnel. Merci. Quelle technique d'embaumement utilisait-on du vivant du mort? Hélas, cher monsieur, les secrets des pastèques ont disparu avec leur civilisation. Il faudrait étudier la momie qui a sans doute une foule de choses à nous apprendre. Je vous l'achète. Monsieur, la science n'est pas à vendre. Votre prix sera le mien. N'insistez pas, vampire mercantile. Si Melondo a dit vrai, nous savons enfin pourquoi le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp creusait des trous dans le désert. Il cherchait le tombeau du grand ancêtre enfoui depuis des milliers de lunes. Plume de cheval, mon fils, le guerrier qui retrouvera le talisman du grand ancêtre règnera sur toutes les tribus des trois Amériques, du berceau du soleil à son tombeau. Le vieux visage pâle fou qui fait des trous dans le désert a volé le grand ancêtre. Les grands nés doivent reprendre le grand ancêtre des mains des visages pâles. Plume de cheval a parlé. Vous ne devriez pas prendre seul la route de Santa Fe. Jeune homme, je vous répète que ça fait 2 ans que je creuse dans le désert sans le moindre problème. Oui, mais depuis, vous avez trouvé Asticosec. Plus moyen de rigoler depuis que ce Lucky Luke est en ville. Tiens, voilà le sang mêlé. 100 $ pour tendre une fausse embuscade au vieux fou, ça vous intéresse? Fais toujours voir la monnaie sans mêler. Oh! Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. La moitié tout de suite. Moi aussi, je veux la moitié tout de suite. Ça nous intéresse pas. 1 000 $, je peux vous donner 1 000 $. Mais bon, je les ai pas sur moi. Assieds-toi et raconte sans mêler. Les grands nés reprendront le grand ancêtre des mains sacrilèges des visages pâles. Ainsi, Plume de cheval, votre chef, portera autour de son cou le talisman d'Asticosec et règnera sur toutes les tribus de la nation indienne. Je rappelle à Plume de cheval que la légende dit que le talisman d'Asticosec doit aller au plus brave d'entre les braves. Le chef est toujours le plus brave d'entre les braves. Ça se discute. Voyez, jeune homme, j'ai tenu compte de votre conseil. Ce garçon a bien voulu m'accompagner jusqu'à Santa Fe. Son père était un grand nez. Alors comme ça, pas de problème de grand nez. Eh bien, moi aussi, je vous accompagne. Santa Fe est sur ma route. Voilà, on va encore voyager avec une bande de dingues. Je dois aller à Santa Fe pour des clous. Puis-je me joindre à vous? Si vous y tenez.
C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. Il me faut cette momie. Je l'autopsie. Je trouve le secret des embaumeurs et les rupins se battront tous pour se faire momifier. Fini les enterrements à la petite semaine. Suis-je mauvais tout de même? Oh! Attendez-moi là, je vais voir ça de plus près. Les gens sont si malhonnêtes de nos jours. Hein. Mais qu'est-ce que... Professeur, tout va bien? Le talisman, ma momie, la Golden Cross, ils les ont volés. Par où sont-ils partis? Le talisman par là et la momie par là. Je voulais simplement la mettre à l'abri. Merci du fond du cœur, merci de l'intérêt que vous portez à ma momie. Laissez-vous. J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh tiens, des chemins. Lucky Luke demande un powwow avec le chef des grands nez. Powwow inutile. Ou les visages pâles nous rendent le grand ancêtre, ou ils finissent dans le ventre des vautours. Ma momie! Beau corbillard! Tortue Morose propose une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus brave d'entre les braves. Tortue Morose commence à courir sérieusement sur le haricot de plume de cheval. Tiens bon, mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Bon, attendez-moi ici, je récupère le talisman, ensuite nous nous occuperons de la momie. Si possible, sans déclencher une guerre indienne. Alors, pour les épreuves, je propose que nous... Si un autre guerrier veut mettre en doute la bravoure de plume de cheval, il ira tenir compagnie à Tortue Morose. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Le retour du grand ancêtre marque le début du règne des grands nez sur toutes les nations indiennes. Ah! Le talisman! Ces maudits visages pâles ont chouravé le talisman! Qu'avez-vous fait du talisman? C'est Lucky Luke, le grand type à la mèche. C'est lui qui a le talisman, je le jure. Il est parti à Moondance. Mais c'est pas lui, c'est... Il ne doit plus y avoir un seul peinture luré au camp. Profitons-en! Mais pourquoi avez-vous accusé Lucky Luke? Pouvez-vous me tenir 7 secondes, cher ami? Bien sûr. Ouch! Son Altesse Belette Timoré Ier. Majesté. Vive Belette! À propos, Majesté. Tu nous dois $1,000. Oh! Lucky Luke! Belette Timoré, redescends sur Terre, tu n'as aucune chance. À bien faire. Bon, je sers plus à rien alors. Le gros nez!
poser votre question ? Plume de cheval sait que Mèche en croissant de lune est un guerrier valeureux. Plume de cheval ne veut pas la guerre. Il veut simplement le talisman du grand ancêtre. Et si Mèche en croissant de lune refuse ? Les grands nés mettront la ville à feu et à sang. Donnez-lui le talisman ! Bon, c'était juste une question comme ça, pour faire la conversation. Bon, maintenant il va falloir retrouver Radot et lui expliquer que les grands nés ont la momie et le talisman. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons rendu au grand nez ce qui était au grand nez. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose! Cette silhouette! Oh, le fantôme d'Abraham Lincoln! Gentil chien-chien, va chercher! Repos complet pendant 3 mois minimum. $1000! La momie est vivante! La momie est vivante! La momie est vivante! Hé! Hey, mon cheval! La momie est de retour! Et elle est pas contente! Où suis-je? Toujours dans le désert. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec ce scorpion noir de Blitz. Attendez. Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite. Ma momie, sur un cheval. Yeah! Courir après un corbillard, il ne me l'avait jamais faite celle-là. Ah! Lucky Luke, enfin, je vous cherchais partout. J'étais derrière vous, vous ne l'aviez pas remarqué? Derrière moi, vraiment? Oh ben ça alors! Vous êtes allé chez les grands nés? Oui, ben je leur ai repris la momie et je voulais vous la rendre, naturellement. Je vous sens incrédule. Je vous assure, je l'ai vue! Elle était sur un cheval au galop, je ne comprends pas! À votre avis, pourquoi Belette Timoré a-t-il voulu voler le talisman, professeur? Il y a 800 ans, Asticosec régnait sur les tribus indiennes du sud de l'Amérique. La légende dit que le guerrier qui retrouvera le talisman d'Asticosec régnera sur toutes les tribus d'Amérique. Rien que ça. Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Jamais j'oserais sortir au grand jour. Le grand ancêtre s'en est allé le cœur rasséréné, car il sait que Plume de cheval poursuivra son œuvre. Yak, 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 yak. Bientôt, Plume de cheval sera le chef de toutes les tribus. Plume de cheval n'a pas raison. Plume de cheval n'avait pas l'intention de voler le talisman au grand ancêtre. Il pensait simplement qu'il n'en avait plus besoin. Le talisman doit revenir au plus brave d'entre les braves, à Belette Timoré. Belette Timoré? Lui-même. Le grand ancêtre rigole. Belette Timoré est un péteux. Le talisman doit revenir à Plume de cheval, car il est le chef des grands nés. Oh, Belette Timoré n'est pas un péteux. Il aurait dû être chef des grands nés à la place de Plume de cheval, comme son père, Cerf Dépressif. Cerf Dépressif a trahi les grands nés pour suivre une psychanalyse chez les visages pâles. Bison Roublard, le père de Plume de cheval, est devenu chef des grands nés et Plume de cheval lui a succédé. C'est normal. Non, c'est pas normal. Vous voyez, je ne radotais pas. Il y a bien une deuxième momie. Radot, je vous avais dit de surveiller Blitz. Une momie vivante. Oh, quelle découverte pour la science. Avance, canasson. Ah, tiens, Lucky Luke. Déjà de retour. Alors, cette petite reconnaissance. Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh,
Oh, mon copain, il est revenu, guéri. Belette Timorée doit devenir chef de toutes les tribus. Sinon, de grandes catastrophes s'abattront sur la nation indienne. Bof, au point où elle en est. Sinon, je reviens toute la nuit tirer les orteils de plumes de cheval. Copain, à quoi on joue, dis, hein, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, Zalglebs. Qu'on massacre ce chien. Oh, c'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Charmant tableau de famille. Il ne manquait plus que l'ancêtre. Elle est à moi. Je l'ai vue en premier. Je dois l'autopsier. À moi. Ne laissez pas autopsier votre grand ancêtre. À moi. Je suis vivant. Ce grand ancêtre est un péteux. Il a peur du vieux visage pâle. Il ne peut être le grand ancêtre des grands nés. On va en avoir le cœur net. Belette Timorée. Belette Timorée. Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le talisman a choisi Blaireau Indomptable, le plus brave d'entre les braves. Blaireau Indomptable sera le chef de toutes les tribus indiennes. Laissez-moi sortir. Blaireau Indomptable n'a pas peur que le grand ancêtre vienne toutes les nuits lui tirer les orteils. Le grand ancêtre a seulement parlé des orteils de plumes de cheval, non? Le talisman revient, arme au dragon. L'instant programmatique veut lui aussi être le chef de toutes les tribus. Non, un taureau étourdi, celui le plus brave d'entre les braves. Et si nous rendions le talisman au vrai grand ancêtre? C'est la sagesse qui parle par ta bouche, mèche en croissant de lune. Faisons un beau haut. Hey, sortez-moi de là. Maintenant que le talisman est revenu au grand ancêtre, le grand ancêtre doit revenir à la science. C'est le grand ancêtre de qui d'abord, hein? Des grands nés. Alors, il reste chez les grands nés. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Sa place est dans un musée. La place du grand ancêtre des grands nés n'est pas dans un musée de visage pâle. Capitaux. Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout le monde. Sortez-moi de là! Le pauvre, il a fait une rechute. Le musée est un succès, grâce à vous, Lucky Luke. Mais question sécurité, vous ne croyez pas que... Aucune inquiétude, professeur. Les grands nés surveillent. Et se surveillent. Mon cher Blitz, je m'occuperai personnellement de votre remise de peine. Votre idée d'apprendre hors la loi un métier en rapport avec l'activité habituelle du pénitencier est excellent. En tout cas, à 3 dollars la pierre tombale, l'administration pénitentiaire se fait un joli petit bénéfice. Oui, on reste dans la tradition. Casser du caillou. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne.
La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? Ça quand vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Chili con carne ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptible représentant de la loi pouvait faire régner l'ordre et la justice. C'est un corse? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Li Chu? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les trois que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennuis. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin Chin, trop dangereux. Ces trois vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herb? Je compte mes doigts, j'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Nottingles, c'est là. Mille pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky Licky? Les gars, pensez-moi, un pied tendre, un vrai. Ouais, on va enfin rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Licky Licky. On commence par le classique. Tu vas danser, Coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, et le goudron et les plumes, trop fort. Hey les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Licky Luke. Licky Licky. Toi, on t'a rien demandé! Tiens, d'habitude, c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le dragon pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui rackette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin! J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky Licky. De rien, c'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky Licky. Arrête de rigoler, Jolly Jolly.
était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une cinquantaine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée! J'ai ici une tenue de rechange. Parfait! Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh! Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pend à mon cou et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année. Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Ah, nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec Licky. Hein? Disparu. Courage, Chin-Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin-Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Oh, personne n'a vu les hommes du dragon pourpre par ici. Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier, Licky Licky. Rouvrir la blanchisserie et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Licky Licky et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre? Il y en a 12 gamins qui attendent leurs caleçons propres. C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Vous n'aimez pas? En été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Thank you.
Licky Licky. Vous êtes un grand cow-boy, mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu-Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos du poisson-chat. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Mouep. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Licky Licky. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Li Chu. Malheur! Mais c'est mon citron à l'envers! Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? Arrêtez-les, shérif Slicorn. Ils nous ont foncé dessus. C'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est la corde assurée. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, ya, noble conquête, décampons, fidèle coursier! Décampons. Shérif, l'honorable Mététu Blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. C'est pourquoi je suis un bon shérif et maître de ses concitoyens. C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Vive le juge! Ça, c'est parlé! L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci! Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coup et blessure, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le loge! Blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, yéhaw ! Chef, chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait ?
Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble Joli Joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Liki Liki, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens, tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote ? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les deux blanchisseurs. Lichou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux, c'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper deux moutons et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin-chin, Lucky Luke, Lichou, Tonton, Harry Cover, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Où vas-tu, méprisable froussard? Chercher du renfort. L'honorable Liki Liki peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slickhorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy! Oh non! On fonce droit sur la ville! Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein.
Chichin, Lichu. Liki Liki, regardez ce que j'ai attrapé. Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez pas c'est pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus en même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Liki Liki, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Liki Liki. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune, tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien! Il se contente de rendre les faits! Rien que les faits! Tu me parlais un peu plus de ces martiens. C'est quoi donc ce pitule-là? La Noire Aude! Des martiens m'ont volé la Noire Aude! Trois jours que la Noire Aude a disparu! Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall! Il lit en conduisant maintenant? Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasse qui volait, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons!
Des sous-tasses volantes. Foldy a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui. Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la noiraude, hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas. Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier. On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la noiraude, toi. T'es un crétin, Foldy, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qui ont volé ta noiraude. C'était des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Flatwood? Je vais te calmer, moi. Les a vus. Le cauchemar a peut-être déjà commencé. Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, hein. Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'en vais de changer de méthode, moi. Spéciale dernière, est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Lucky Luke. Vous me connaissez? Non. Luke? Oui, c'est ça, Luke. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles. Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolly? Tant qu'ils ne kidnappent que des vaches. Pouah, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Oui, j'ai déjà senti cette odeur. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les martiens en photo. Tentacule en l'air! Où je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré! Ah, fouliche! Allez, la milice! Du coulage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! Mais moi, la milice, ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Au flamme! Dig, frère blanc! Je suis Coyote Avisé, fils de Bison Futé, petit-fils de Lézard Appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère relate la rencontre. Ils sont petits et verts.
Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Oui, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Moi aussi, j'en veux les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair. Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres ? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire ? Les gens du coin sont terrorisés ? Pas vous, semble-t-il ? Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non ! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle ? Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors la loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre deux cerveaux et un muscle, je me trompe? C'est sûr qu'ils se donnent beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur, vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Bien sûr, ils peuvent être petits et verts, comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie! Ah, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel! Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré! Ce paillasson... Ce tapis sacré! Nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir.
Je connais aussi le langage des Martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un Martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de Martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted. C'est vrai ça, on vient tous d'ailleurs, y a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des Martiens. Et toi, Cowboy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs durs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, $15. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mes vaches! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangère. Vous êtes d'où, au juste? C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Bouja! Les choutasses volantes, ma tech! Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi? Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Hey, attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi. Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote avisé n'a plus rien à faire ici. Oh. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, $5 pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a là pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas son gris-gris, $5. Demandez aussi une fumigation protectrice de $15. Coyote avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus. Vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fouldy afin qu'il parte et vende son champ. Vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux. Était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer 2-3 choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider. Le Martien était un Indien. Tous les détails dans le cul.
Martien était un Indien. Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, je n'ai jamais cru à cette histoire de Martiens. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons! Oh! Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote avisé est une fiefée canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'est donc pas un petit homme rouge. Beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien. L'Indien. On va t'apprendre à faire le Martien. Ouais! Si Coyote avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote mal avisé. N'aie pas honte, à votre âge. Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé... Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé Miss Kippy! Hein? Oh, la vache! Les Martiens! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu. Letwood! Oh. C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampe attachée à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldy ne s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest, cowboy. I'm a bold lonesome cowboy.